Tout le monde, c'est Christophe. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Et aujourd'hui, on va donc parler de l'iPhone 6e. Ça paraît plutôt étonnant parce que parce qu'il n'y a rien d'officiel encore pour l'instant, malheureusement. Mais surtout, en fait, il y a plein de leaks, c'est-à-dire des images voilà, qui sont leakées et tout. Et les gens disent, ouais, voilà, c'est l'iPhone 6e et tout. Et je vous l'ai fait montrer d'ailleurs sur l'écran. Attention, c'est pas. Enfin, en tout cas, les sources ne sont pas les mêmes. Donc, chaque image voilà, provient d'un site différent. Donc, je vous ai montré. Enfin, là, je vous montre vraiment les plus belles images et qui ressemblent. Peut-être à ce futur iPhone 6 iPhone 6C, ça fait bizarre de dire ça putain, iPhone 6, iPhone 6 Plus, après iPhone 6C qui devrait bah, sans doute sortir en tout cas cette année. Il y a eu pas mal de leaks et moi honnêtement ça me laisse croire bah, que c'est tout à fait possible d'ailleurs. Bah voilà, moi je pense que c'est tout à fait possible qu'une sorte d'iPhone 6C sorte cette année. Et si vous voulez, il y a énormément de leaks d'informations dont certaines qui me paraissent assez étranges. Parce que un côté, on va avoir beaucoup de personnes qui vont dire oui, on pense que en gros il va garder à peu près le même format, sauf qu'il sera légèrement plus fin, un peu le même format que l'iPhone 5, 5C ou le 5S logiquement, donc comme les anciens iPhone, sauf qu'il va en fait avoir le même aspect que l'iPhone 6 tout simplement, sauf que voilà, vous aurez un peu cette couleur personnalisable quelque part. Oui, il y a d'autres, l'autre côté en fait, il y a d'autres personnes, donc des sites internet et tout, qui leakent des informations et tout, donc il y a essentiellement web futur suppléaire qui disent eux, alors non, pas du tout en fait, ça sera une coque en aluminium donc pour l'iPhone 6C et avec un écran beaucoup plus grand, puisque si vous voulez l'autre, enfin l'autre partie, eux ils disent que c'est un écran 4 pouces, donc en gros un écran un peu comme l'iPhone 5 ou le 5C, etc, etc, alors que l'autre partie en fait propose, enfin ils disent tout simplement que ça sera un écran beaucoup plus large, enfin en tout cas beaucoup plus grand, beaucoup plus grand, ça sera peut-être un pouce de plus, 5 pouces, mais en tout cas il va garder un peu le même aspect que l'on retrouve actuellement pour l'iPhone 6, sauf que voilà, il aura cette option d'avoir un peu la couleur et tout, enfin voilà, un autre design, ce qui nous fait vraiment référence entre par exemple on peut dire l'iPhone 5 et l'iPhone 5C, ça sera à peu près la même différence entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6C. Moi à mon avis je pense que ce sera plus cette idée, là en fait, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais les gens qui disent oui l'écran va être en gros un peu comme ce qu'on retrouve sur l'iPhone 5, 5C, enfin je, ouais ok, non je vois pas, je verrais plus en fait un peu comme ils ont fait pour l'iPhone 5, 5 et 5C où on garde la même à peu près la même taille d'écran et tout, et finalement on va juste un peu rechanger le look, le design et tout, et voilà, il n'y a pas grand chose à faire là dessus je pense faire peut-être une petite série là dessus pour vous donner vraiment un maximum d'informations. Pour l'instant c'est très léger, mais en tout cas on a vraiment ces deux grosses informations, et moi honnêtement je serais plus partant sur ce que je viens de vous dire, et je sais pas, franchement dites-moi ce que vous en pensez tout ça dans la barre des commentaires. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. De me suivre sur ma page Facebook, vous faites comme vous voulez. De me snapper, parce que on peut faire du snapping ici. Tout à fait, je vous l'ai montré normalement en début de vidéo. Puis je vous dis à la prochaine, ciao, peace out.